Oups, ça va. L'ordinateur est là. La caméra, elle est là. Je trouvais plus, je crois que c'était resté, je t'attends. BST du CGT, bon, ce lundi 20 août, de Man in Black 18, le retour du futur du réveil de l'esprit. Ben, le lundi, ces temps-là, hein. On serait à corps, tout le monde. On l'a 432. Concertation, le lundi on s'accorde, on démarre une semaine. C'est un multiple de 7, c'est normal, il y a 7 jours. Et on sort du sol, le dimanche, un super dimanche. C'était solaire, c'était carrément divin. Dimanche plein de bénédictions. Demain on passe en si, et je vous dis bien si. Demain sera un très grand ciel mon mardi, puisque c'est le 21. Multiple de 7, là ça va commencer à enclencher dans la cartouchière. Puis le mercredi ce sera en dos, et c'est le conseil du premier des ministres. Tout est permis. On va pas faire une rentrée, on va faire des sorties là maintenant. On va faire rentrer en prison ceux qui méritent, et sortir de prison ceux qui c'est rien. Tu vois, la loi des hommes est ainsi faite. Mais c'est pas la loi du bon Dieu, hein. Je vous rappelle que nous sommes tous dépositaires d'une parcelle et que l'union fait la force. Si tout le monde arrête de payer là, à la rentrée, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tout le monde arrête de payer, puis on passe en TPU, Trésor Public Universel s'appelle. Mieux faire caisse commune que fosse commune. Vous voulez pas comprendre? Bah, de toute façon, c'est de pire en pire, ça va être de pire en pire. Moi j'y peux rien. À coup de séisme, pour l'instant c'est pas par ici. Maintenant que ça arrive ici, tu crois quoi? Y a pas que le projet ARP. Hein. Après pour un con quoi. ARP H avec deux A. RP. Ouais. Donc c'est un très bon lundi pour l'instant. C'est pour s'accorder. Il va falloir que vous compreniez le sommier de l'esprit quand même. Pas le jour, compter les sous, tout ça. Tout le pouvoir là. Tu vois, le macro en boîte sur ce Rothschild là, il me fait penser à Diego, le petit chef. Le mec, il a fait l'école d'ingénieur, il a joué à la biscotte. Il a dit, j'ai dit, mais t'as pas besoin d'âme toi pour vivre? Il me dit, non, j'ai pas, rien à foutre de l'âme. Moi. Ce que je veux, c'est du pognon. Un peu comme les francs-maçons. À haut degré, hein, tu vois. Mais pour moi, t'es qu'un petit PD. Hein. Être élu à 70% d'abstention sur deux tours désinscrits. Je sais pas, quand je te vois à la télé, sur BHL TV, là, j'ai envie de te mettre des putains de claques à toi. T'es pas mon président, hein. Mon patron, il est pas sur terre. Toi. Un bon patron aussi, c'est comme un riche peut-être. Tu trouves, c'est quand il est mort. Après, il regrette. Merde, j'ai enculé tout le monde. J'ai bien profité de leur gueule de PD. Mais moi, quand même, je leur donnais mieux que le SMIG. Hein. Il y avait un système de primes, de carottes. Pour faire avancer le mulet. Comme à la 89-10 sous Mitterrand Rocard. Des pleins d'enveloppes de blagues pour acheter ton silence. J'étais attaché ministériel, je peux te raconter, j'ai même un film. Voilà. Bon, bah, c'était envoyé spatial. Ça va être pour le 16h, mais je peux pas l'envoyer parce qu'ici j'ai pas la connexion. On va dire. 15h54, c'est pour le 16h du lundi. Bon, je vais faire 2-3 copies de machin dans l'ordi, puis je vais écrire mon texte. Voilà. Puis je vous dirai ça ce soir. Poète. Reporter sans glacière. À vous, cognac, j'ai pas. On peut faire chier, ouais.